Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie de Go. Donc cette fois-ci, on affronte un joueur deuxième Q, deux pierres d'handicap donc. On lui dit bonne partie et on est blanc forcément. Comme on est blanc, on a 0,5 de commis. Quand il y a des pierres d'handicap, c'est comme ça. Donc va falloir jouer rapidement un petit peu de territoire, séparer ses groupes et voir comment il va rester. Voilà, il joue assez solide, c'est normal. Pouf pouf pouf. Il faut pas que je joue de manière trop orthodoxe comme d'habitude. Très souvent, je perds les parties handicap parce que je joue normalement. Sauf que comme on démarre de pierre, c'est quoi? C'est 20 points de retard. Donc, on peut pas jouer normal. On est obligé de jouer un peu des trucs exagérés des fois. Pour le moment, je vais approcher comme ça. Et moi, ma petite difficulté quand même dans ces parties-là, c'est si l'adversaire joue trop simplement, on va dire, de manière assez simple, j'ai du mal à concrétiser mes points. On va prendre un coin quand même. Il va connecter. Je vais là. Et au lieu de faire son extension naturelle, ah, je pensais qu'il viendrait pincer. Bon, ça reste correct. Je vais prendre le coin ici. Il essaie de développer ce bord. Il reste des points pour rentrer hein. Ici, là, là peut-être. À voir. Et on va. Continuer comme ça. Pendant 2 secondes, j'ai repris ça comme un joystick normal, comme j'ai parlé d'autre chose. Mais non, c'est le joystick où on passe au-dessous. Il bloque. On vient là. Il vient en B6. On va en F3. Et il revient en C7. Peut-être qu'il aura envie de le jouer un tout petit peu différemment, je sais pas, avec sa force. Je pense que c'est très correct de faire ce qu'on a dit. Hop, il vient ici, on vient là, et il vient en C7. Normalement, c'est ça. Ok, il pousse une fois de plus, on y va, hein, sinon il pousse en E3, et là on a l'air bête. Et là. Oui, c'est douloureux s'il fait ça, puis le double année. Mais. Je préfère jouer ailleurs, je pense. Il n'a pas répondu ici. Normalement, il aurait dû jouer en C7. Ça veut dire que nous, un coup vers C7, voire C8, je pense, c'est pas trop mauvais. Après, souvent, ça permet de mettre la pression sur cette pierre, mais là, la pression, elle n'existe pas trop. Sinon, il y a cette invasion. Tac. Quand il bloque, on saute. Quand il bloque, on peut aller là. Et ça joue un peu sur les deux tableaux. À voir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Après, il y a tout cet espace qui est grand aussi. Le bord nord, ça va être dur de faire des points, donc peut-être rapprocher plus de ce côté, mais la pince, elle fait chier. Peut-être approcher ici, du coup. Tac, il vient par là. Nous, on vient par ici. Il kick, on monte et il sépare. Et nous on saute. On va là, je sais pas d'abord peut-être, je sais pas. Et en même temps, ça peut devenir monstrueux assez rapidement. Ouais, on va peut-être faire cette invasion et laisser le côté droit pour le moment. On va jouer comme ça. Donc là, il a plusieurs solutions, il a ça, il a ça. Ok, on va sauter. En général, on bloque en E12. Et blanc va ici. Ok, il fait d'abord ce coup de test. Très bien. On va connecter. C'est intéressant ça. Il se laisse complètement séparer. Si je viens là, lui, il pense à aller ici. On vient là et il coupe. Dans ce cas-là, on va sauter une fois de plus. Mettre de la pression sur toutes ces pierres-là. Parce que même s'il pousse, qu'on vient ici, il n'a pas de 2 yeux tout de suite. Ouais, donc il sort.
Et maintenant, venir embêter par là, peut-être. Tac. S'il vient ici. On connecte, il descend. On descend. Ouais, ça a l'air embêtant pour lui, ça. Et ça commence à nous donner du renfort ici. Ok. Il choisit comme ça. Si je descends, qu'est-ce qui se passe? Il vient ici. Je viens là. Il vient ici. On prend la pierre. Mais il nous met à Atari. On capture, il remet à Atari comme ça. Ok. On préfère peut-être connecter là. Il passe au-dessous. On vient là. S'il monte, on coupe. Il a que deux libertés avec cette pierre. Et nous, on a trois. Tac. Tac. Si on pousse ici, il vient là, Atari. Non, il vaudrait mieux pousser ici. On va venir là. Noir vient ici. Et on va couper. On va couper. Il va sortir sa pierre. Ah, comme ça. Je n'entendais pas ça. Après, il attaque mes pierres en soi, il me retire une liberté. Mais il faut compter aussi, lui, il en a que 3. Alors que s'il était monté en E10, il en avait 4. Et en même temps, ça menaçait un peu ce groupe. Donc je sais pas. Est-ce que j'ai le droit de faire ça, par exemple? S'il coupe, Atari, il va là. Ouais. Ouais, ça a l'air chiant, c'est vrai. On va venir ici, ce qui menace de couper là. Est-ce que derrière j'ai un coup par ici par exemple? Tac. Est-ce que ça peut faire quelque chose de bien? S'il sort comme ça, tac, tac. Il vient ici. Attends. Tac, 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 tac. On vient ici. Il connecte. On a une. 2, 3, 4, 5, 6 libertés. On peut aller par ici peut-être. Il vient là. Je sais pas. Ça demande un peu de lecture. Voir si on peut prendre ça en un guetta un peu déguisé. Ou alors, imaginons, du coup, j'ai connecté tout là. On vient ici. Il saute. On vient là. Noir, blanc. Noir, blanc, double année, mais il peut faire Atari et tac tac sortir. Donc c'est un peu chiant. Ok. Si on a tout connecté là, celui-là ça a pas l'air de trop marcher. Donc ça peut-être. Il sort comme ça. On viendrait là. Ça a pas l'air de trop marcher ce que j'imagine. Et ça, juste retirer une liberté. Tac. S'il va là. Pour alors faire peut-être le guetta. C'est pas évident. Peut-être ce coup-là. C'est pas facile pour blanc là. On va aller ici. Et peut-être que je dois couper. Peut-être faire celui-là d'abord. Est-ce qu'il faut que je coupe? Parce que moi, mon plan, c'est de connecter ici et de trouver une séquence ensuite. Hein. En fait, se donner plus de liberté. Mais si je coupe, ça le force à sortir. Mais quand on sort ici, en fait, il peut partir, a priori. Parce que tac, tac, je vais là. Même si un jour je rajoute un coup par ici, il peut capturer les pierres, donc c'est assez mauvais.
Blanc en noir, blanc. Autant tourner tout de suite ici, en fait. Si je viens là, qui vient ici, on peut aller là. Il viendrait ici. Atari, tac, tac. Ouais, autant connecter là, je pense. Tac. Il vient ici, comme on disait, on a 6 libertés. Mais ensuite. Tac. S'il fait ça. Tac. Je crois que j'ai fait de la merde. On va connecter là. Mais non, peut-être que ça passe. Y a forcément quelque chose ici. On est quand même vachement en position de force. Ce genre de coup, il sort juste comme ça et j'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit. Mais un coup par ici, ou un coup par là, ça a l'air d'être pas mal. Ça, sinon on revient là. Peut-être qu'on peut faire juste ça. Même si ici on coupe, il fait Atari, on va là. Continue, on bloque. Donc ça, on peut approuver, prendre comme ça. Même s'il vient là. Tac. Noir, blanc, noir. Blanc. Ah, je sais pas, ça demande pas mal de lecture. On a 15 minutes quand même. On va lire un peu. Il aurait trois libertés, blanc. J'ai l'impression que derrière ça donne un chichot. Qui serait favorable pour moi. Je me trompe peut-être. Hein. Mais j'ai l'impression que ça passe. J'ai l'impression que ça passe tout ça. Et s'il fait ça. Là pour le coup on peut peut-être venir là. Ça a l'air de suffire. Ok, il fait ça. Moi, tout ce que j'ai calculé avec l'angle vide ne sert à rien. Et si on fait ça? Blanc. Enfin, il a mis 2 secondes à y réfléchir. Blanc, noir. Blanc. Non, blanc, noir. Blanc, noir. Blanc. Tac. Tac. Ça ne marche pas trop. Faut venir ici. Blanc. Noir. Blanc, blanc, blanc. C'est pas dit que ça marche très bien, ça non plus. Ouais, c'est pas très bon pour moi. Blanc, noir. Blanc, noir. Ouais, c'est pas bon. Ça ne marche pas. J'ai cru pendant un moment, mais. Mais non. On va sortir. Et quand tu mets de la pression en soi, hein, c'est du gros combat de tous les côtés. J'ai perdu beaucoup de temps sur ça. Dommage. Une mauvaise lecture.
Ok, il résiste comme ça, on sort également. Et là, ça menace un petit peu ce groupe-là. Enfin, un petit peu. Pas mal, en fait. Il va faire le double année. S'il fait double année, c'est peut-être une erreur. Ok, il force comme ça, il va faire G2. Mais s'il fait G2, on revient là, ok. On fait comme ça. Et on monte. S'il prend cette pierre, c'est pas si grave en fait. Ok, on va résister ici. Et ici, j'imagine. S'il coupe, on peut toujours venir là. Tac, 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 tac. Et sauver toutes ces pierres. Blanc. S'il vient là, on vient ici, il peut plus mettre Atari. Donc si on fait ça, il fait Atari, je pense, on vient là. Ouais, on va venir ici. Hein. On tape dans sa forme. La séquence a l'air plutôt pas mal pour nous. S'il force ici et qu'on bloque, il faut faire attention au snapback, donc il connecterait ici. Mais dans ce cas-là, on a combien de liberté? 4. Dans ce cas-là, on pourrait faire Atari là. Il fait contre Atari. On sort et connecte. On revient là. Il monte. On vient là. Pas facile. Peut-être que c'est Atari là plutôt. Noir, blanc, noir. Non, on doit réagir avec cet Atari là. Par rapport au nombre de liberté. Blanc, noir. Noir, pardon. Blanc. Noir connect. Blanc bloque ici, peut-être. Le problème, c'est que noir a une liberté là. J'arrive pas à lire. Noir, blanc, noir, blanc. Il reste 3 libertés à noir. Noir fait Atari. On sort ici, il connecte là, il en a 1, 2, 3, 4. D'accord, il revient connecté tout de suite. Pas forcément très fan, ça c'était gratuit avant D8. Parce que maintenant si je connecte... Il faut réfléchir à la survie de tout ce groupe. Ok, donc il veut ça. Mais dans l'échange, je pense que je suis content. On va juste... Ouais, ça, en général, c'est une meilleure forme que ça. Pour éviter le genre de couvert J8 qui dit « c'est un fusail ». Mais si je fais ça, est-ce qu'il peut pas juste dire oh, « ok, je coupe ». Et oui, on fait Atari, il sort. Atari, il va là. Et il y a Guetta. Hein. C'est seulement que il va gagner G5 pour peut-être faire un œil. Nous, on ne veut pas lui laisser trop de possibilités, parce que G5 deviendrait CNT. Et maintenant, ici. Noir, blanc, noir, blanc. C'est pas évident, encore une fois. Hein. Bon, il faut qu'il survive ici. Est-ce qu'il peut? Est-ce qu'ici il peut faire un œil? Noir, blanc, noir, blanc. Non. S'il vient ici, blanc vient là. S'il vient là, on vient là. S'il continue, on vient là.
Ouais, il a pas d'œil ici. Même en scène, même s'il joue en premier, il n'a pas d'œil. Et ici, s'il rajoute ça ensuite, on vient là. S'il rajoute ça, on vient là. Est-ce qu'il n'est pas mort goté? C'est ça la question. Parce que maintenant, s'il joue ici, il fait un œil là, certes. Et nous, on vient ici. Il n'y aura ni œil là, ni œil là. On a vu ici, même s'il joue là, on vient ici. Il vient là, on vient là. Et inversement. S'il joue ça, on peut venir là. Il fait Atari. On vient là. Ouais, il n'y a pas d'œil ici. Et ici, s'il vient ici. Ah, c'est une forme en 4, on vient à l'intérieur. Il est mort goûté, je crois. J'ai quand même l'impression, ouais. Bon. Est-ce qu'on peut couper? Peut-être un peu risqué. Blanc, noir, blanc, noir, blanc. Noir connect ici. Il aurait 3 libertés une fois qu'on tourne là. Il va ici, on va là. Il va ici. On va là. Non, on va là. Attends. Faut que je calcule un petit peu. Blanc, noir, blanc, noir, blanc. S'il sort encore, on coupe. Hein. Donc il connecte. Nous, on remonte. On remonte ici. Il a une liberté là, une autre là et une autre là. S'il pousse ici, on bloque. Il a plus que 2 libertés. S'il fait Atari. On vient là, il capture cette pierre. Et ensuite, on fait Atari là, et s'il bloque lui-même. Non, il lui reste 2 libertés, je raconte n'importe quoi. Peut-être que d'abord, il faut faire un coup par ici. Peut-être pas si mal. On essaie de tout couper. Et ensuite. C'est ça, quand il poussera ici, tac, tac. Ouais, ça a l'air pas mal ça. Ça a l'air pas mal parce que maintenant, quand je coupe, noir, blanc, il connecte, on bloque ici. Il a 3 libertés, comme on disait, ici, ici et ici. Il monte, je bloque, il a plus que 2 libertés. Il fait Atari, on vient ici. Il capture la pierre, hein. Parce que s'il retrait, ben on peut le capturer. Donc il capture la pierre, mais dans ce cas-là, on vient ici. Ce qui met double Atari à ses pierres, ici et ici. Et s'il complète, ben il est mort. En même temps, s'il joue ailleurs, on capture les deux et après on peut qu'il est en Atari. J'ai l'impression que ça marche. Je me concentre vraiment sur ça parce que si on capture ces quelques pierres, en fait, on sauve ça. Et d'un seul coup, on est vraiment tranquille. On a pris tout ça. Toutes nos pierres sont connectées. Et on peut se concentrer sur autre chose. Qui connecte là. On bloque ici. Il vient là. On vient ici. On vient là. Et là, c'est la séquence dont on parlait. Tac. Ok. Atari sur les deux pierres, comme on disait. Et s'il complète, on capture. Ouf. Ok. Ah oui, bah oui, non. Oh. Eh, là, j'ai pas vu ça par contre. Ah zut. Tant pis pour moi. Tant pis pour moi. J'avais pas vu ça, la Atari sur cette pierre. Bien joué. Si je capture ça. Ah, je suis mort. Je suis mort en gros. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage. La séquence était jolie. Tant pis. S'il vient là, on vient ici. Rien de spécial. Ouais, bon, tant pis. On va jouer ailleurs. Oups. Ah oui, c'est mauvais du coup. C'est mauvais. Bon, on va jouer les séquences par ici dans ce cas.
J'ai cru pendant 2 secondes que c'était sympa. Ah, je l'ai pas vu du tout. Je le prenais pas du tout en compte cette pierre en fait. J'étais vraiment en mode la séquence ici, quoi. C'est vraiment dur les lectures, se dire tous les pierres, de compter toutes les libertés de pierre et tout, c'est vraiment la galère, je trouve. Et il était pas serein ici. Faut que je fasse groupe, gaffe à ce groupe aussi. S'il approche là un jour, ce sera chiant. Il est au-dessous là, il pourrait passer en F18. En vrai, pour le moment, je vais venir par là. Il vient de passer ici, en fait. Très bien. Ça donne envie peut-être de venir là. Parce que ici, là, il y a un œil, mais pas deux pour le moment. S'il force, tac. S'il force. Ouais, c'est peut-être pas facile non plus. Je sais pas. Est-ce que ça vaut le coup de protéger cette zone? Ça fait quand même pas mal de points, oui, ça vaut peut-être le coup. Mais en même temps, j'ai envie d'aller prendre le coin là-bas. Si on prend ce coin, c'est quand même intéressant, non? Et il faut protéger un jour ici aussi. Il y a des choix à faire entre là. Ah, on peut bloquer comme ça aussi, hein, bien sûr. Là. Par ici. Tac, tac, tac. C'est les 3 points que je vois. On va venir par là, je pense. Parce qu'en même temps, d'aider notre pierre, de réduire le territoire de l'adversaire, ça met la pression sur ces trois-là, ça a l'air pas mal. Et à tout moment, il prend un œil ici, hein, certes, mais c'est goûté. Donc on vient ici. On vient ici. S'il coupe, on protège, donc c'est pas très bon. Si je bloque là, non, je vais monter tout simplement. Tac, il monte. Tac, s'il monte encore, on a un atterri. S'il coupe, on protège. Ah, je sais pas. Si, j'ai l'impression qu'on peut monter. Il faut qu'il capture une pierre, hein, ou dans... mais je sais plus si ça marche encore. Ben, je viens là. Il prend. Atari. Il capture. Et on protège. Parce que là, il peut pas couper. Sinon, on capture. Ouais, là, il vient de se suicider, je pense. Enfin non, il s'est pas suicidé parce que... Il faut calculer ça. Non, ça marche pas. Noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Bon, il est vivant. Mais c'est quand même bien douloureux pour lui. Parce que je vais finir santé sur cette séquence. Ça fait chier quand même. On va lui piquer sa base de vie, je pense. À tout ce groupe. Ça a l'air important, ça. Faut qu'il trouve la vie avec ça maintenant. S'il me coupe, ça a pas l'air si grave. Comment est-ce qu'on réagit à ça? Ça n'a pas l'air de... J'ai cru au début, hein, tout simplement séparé, mais quand il vient là, Atari, tac. Si on protège de ce côté, il peut couper grâce à son Kosumi. Si on protège de ce côté, tac, donc, tac, 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 tac. Il peut faire... Il peut venir ici, on fait contre-Atari, capture et on revient là. Ah, c'est quand même gros! C'est quand même très très gros. Donc là, il fait plutôt année de ce côté. Faut que je fasse gaffe à mon temps aussi. C'est le bordel, hein. Ok. On va venir comme ça, hein, dans sa forme, dans son pas d'éléphant. On joue dans l'œil.
Il force, on protège. Comme ça, il peut forcer ici. Et on protège. C'est bien, ça, on prend quelques points quand même. Mais ses formes sont pas incroyables. Il reste un point de coupe ici. Il reste un coup ici qui est chiant. Peut-être une gueule de tigre. Non, il vient comme ça. Faut surveiller est-ce que Q7 est chiant ou pas. Je profite là, comme la vidéo est déjà bien avancée. Si vous aimez la vidéo et les explications jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à aimer la vidéo. Et si vous le désirez, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour me soutenir, si c'est pas déjà fait. Merci. Donc ici, on peut couper si ça, ça ne marche pas. Noir, blanc, noir, blanc. Noir, blanc, bon, on a un pâté pas très beau. Tac, tac. Mais j'ai l'impression que ça vaut le coup quand même. Pour lui mettre pas mal de pression. Bon, en fait, s'il vient là, on met double tari même, en fait, tout de suite. Faut d'abord qu'il aille quelque part par là. On vient là, il vient ici, tac, tac. Ah, ça veut quand même une belle pression. Peut-être que je devais protéger comme ça, c'était suffisant. Je sais pas. Je ne sais pas. Ouais, sûrement que c'était suffisant, parce que maintenant, à cause de ça, ça menace la capture de cette pierre. J'ai l'impression... Ouh. Ouais, là, je crois que j'ai pas trop le choix. Ok. Ouais, mais j'aime bien. Parce que maintenant, le s'il avait joué ça direct, ça menaçait peut-être des chichos. Ouais. Alors que maintenant, bah, dès que je sors, ça fait atterrir sur deux pierres. Il a pas envie de concéder ça, hein, c'est trop gros. Si je capture, c'est d'autres tortues, la forme. Hein, capture de deux pierres. Et ça fait chier. Donc il a pas envie de concéder ça. Et... Mais sauf que maintenant, j'ai des formes assez agréables ici. Hein. On peut forcer de ce côté. Et il est toujours pas vivant. On force. Et attention quand même à ça. Si je force encore, il vient là. On pousse ici. Ouais, j'ai l'impression que ça, ça va. Il vient ici, on pousse là. S'il force ici, on pousse là. Voir... Si, si, on peut bloquer directement. Très bien. Il vient de ce côté. Je le disais, s'il coupe, on pouvait aller là. Quand il monte sa pierre, on peut aller là, pro-ru. Tac, s'il recule, tac, il vient là. On va ici, et il était mort. Donc ça, c'était intéressant. Il vient de ce côté. Très bien. Est-ce que je risque quelque chose ici? Faut faire attention, hein, si je fais des bêtises là. Noir, blanc, parce que si je viens là, il le connecte. Quand il vient ici, on peut capturer. Oui, on a encore de liberté. C'est ce genre de truc que je dois surveiller. Parce que s'il ressuscite vraiment, c'est la merde. Donc là, on va venir par là. Il va connecter. Forcer un peu ici. Oh, peut-être que S3 suffisait. Bon, il vient par là. On vient ici. Ça a l'air gros quand même. Ça a l'air très gros. Et il faut encore qu'il vive. Très bien. Tac, comme ça il obtient sa santé. Mais en même temps, si je protège tout de suite ici, il obtient des bons coups par là. Donc c'est un peu miaille tout ça. Allez, hop. Non, pas tout de suite. Ok. Qu'est-ce qu'il vise ici? S'il vient là, capture. S'il vient là, on va ici. Ouais, il n'y a rien de spécial pour l'instant. Par contre, noir, blanc, noir. Ouais, il faudra faire attention à cette forme dès qu'on perd une liberté.
Ouais, j'ai l'impression que mon manque de liberté un peu de tous les côtés vont faire qu'il va vivre. Parce qu'il faut que je force comme ça. Et que je force comme ça, je pense les deux pour être sûr qu'il meurt, je crois. En lecture assez rapide, hein, j'ai plus beaucoup de temps. Mais celui-ci, et quand il répond, bah ça force une réponse pour moi ici, hein, parce que après quand il met Atari, je réponds, il connecte, c'est la merde. Donc je devrais capturer. Et ici, pareil, blanc, noir. Si je joue ailleurs, il peut jouer là. Et si je veux capturer la pierre, il va en M1, je capture. Il revient en L1, ça met Atari. Et ensuite, il capture le tout en P2. Et même si je fais Atari en M2 dès le début, la pierre en N2, il peut venir en M1, je capture. Il vient là. Tac, tac. Donc là, j'ai des faiblesses. On va protéger comme ça. Tac. Bah même sa descente ici deviendrait sainteté alors. Ah! C'est chiant! Donc il faut protéger comme ça. Sinon, si j'étais descendu, après il peut jouer là. Et si je réponds pas, ça fait N2 qui menace de capturer ça, donc je capture. P2, je capture la pierre. Enfin, ouais, je capture celle-là. Ensuite, il pouvait faire Atari là. Je vais là. Et ensuite, il pouvait capturer S3. C'est compliqué. Ok, il vient de ce côté. Il est assez serein. Je crois qu'il doit rajouter un coup quand même. On fait vivre ça. On fait deux espaces où il y a des yeux. Il pousse ici. Est-ce que j'ai besoin de pousser une fois? Parce que si j'ai pas besoin, on peut peut-être tuer. Noir. Noir. Ok, s'il descend là, on peut aller là. J'ai l'impression qu'on peut pousser ici. Ah non, oui, il a tout simplement ça et il fait ça. Non, il fait de ça d'abord. Ça, c'est important. Noir, blanc et noir. Mais bon, c'est pas, encore une fois, c'est pas très glorieux. Ok. Il faut que je fasse attention à cette coupe. Non, en fait, il n'y a pas de coupe. Noir, blanc. Petit noir montre, voilà. Oui, il y a Segeta directement. Ok. On va pousser une fois de plus ici. Ça réveille la coupe? Noir. Ou alors il me dit tu n'as pas deux yeux ici, ce qui est vrai. S'il joue là, on joue là. S'il joue là, on doit jouer les séquences. Après il peut venir là. Ouais, ça a l'air à peu près vrai. Donc la coupe directe ne marchait pas, mais des coups comme L11 pouvaient être chiants. Donc autant rajouter quelque chose. Ah, le café quasiment. Par contre, attention, t'as laissé R13 qui est quand même très gros aussi. Ah, la forme est pas incroyable. On voit directement que si blanc joue là, ça a l'air chiant. Et oui, je vois bien, il veut jouer là. Pour dire ça, c'est un faux œil. C'est compliqué. 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. On va venir taper dans la forme directement. Hein. S'il vient là, on coupe. Il vient ici, tac. Non, il vient là. Ok.
Parce que là, on va faire Atari de ce côté. Puis Atari ici, auquel il ne peut pas répondre là, sinon on capture. Donc au maximum, il peut faire un Shibori. Tac, mais lui-même est en Atari, hein, donc il répond. Mais voilà. Il n'a pas les meilleures formes, moi j'ai réglé mon problème. Là, il y a R14 qui brille un peu pour blanc, donc il aura envie de jouer peut-être R14 tout simplement lui. Ou Q13, c'est assez lent. Ça bloque moins blanc, parce que je peux toujours jouer là. S'il va là, je vais en S14. Moi, je suis vivant, j'ai mes deux yeux largement. Ici, je suis vivant. On disait qu'il y avait un problème ici, bon, voilà. Je disais, on allait trois fois. Voilà, ce choix-là, c'est fait. Ça fait un peu tout ce qui l'en découlait. Maintenant, soit on vient un peu dans le coin, soit on protège ça. Je pense qu'on va protéger ça. On a 7 points. Donc, autant protéger le seul truc où c'est un peu incertain. De toute manière, ici, s'il vient de ce côté, on peut aller par là. Et s'il protège ici, d'une manière ou d'une autre, on peut venir jusqu'ici, je pense. Ça a l'air ok. Bon, il essaie de prendre le maximum, je comprends. Je comprends. Comment est-ce qu'on approche ça? Il y a ça. Il y a un des deux, là. 10 seconds. Et il y a ça. One, two, est-ce que three, ça, c'est mieux que ça? 4, 5, 6, 7, 8. J'ai l'impression, hein. Il faudra plutôt cette zone, donc il va pousser là. Et on va reculer ici. Voilà, c'est le genre de séquence que j'aurais redouté si jamais la pierre en K17 noir était en H17 et celle en G18, du coup ça se passait en E18. Là ça aurait été dangereux. Maintenant j'ai un peu moins peur quand même. Parce qu'on a quand même pas mal d'espace. On va bloquer ici et dire regarde, j'ai assez de place pour vivre. Bon, cela dit, ça fait un bon yossé. Hein. Maintenant quand il bloque par là, il fait pas mal de points ici. C'est vrai. Il veut essayer de vivre par là. Mais ça, ça ne vit pas. Ouais. Ok. Un peu bizarre qu'il essaye ces coups-là. À moins qu'il ait envie de tuer le coin. Ça semble un peu compliqué, mais... On va venir là. Si je viens ici, il peut venir là. Ouais. Ah, c'est chiant. 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je suis peut-être mort ici. Blanc, noir. Je peux pas descendre. Donc on capture ici. Mais lui peut pas venir là non plus. Ouais, non, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Noir, blanc. Mais noir ne peut pas venir là, donc j'ai quand même un œil ici et un œil là. Ok. Blanc, noir, blanc. Ah.
10 seconds. 1. Je ne sais two, pas. 3. Si four, je viens là. Noir. Five, blanc. Six, noir. 7. 8. 9. Blanc. Ah, non, je suis mort. Enfin, je peux vivre, mais il ressuscite, quoi. Ten Et ça seconds. Fait un peu chier. One, two, three, ah, il va résister, four, hein, je pense. Five. Je vois pas d'autre solution. Tac, D2. Je peux pas aller en E1. Ouais, ils vont... Ah, fait chier. J'ai pas assez de points, du coup, aussi. Faut que je recompte, mais j'ai pas de temps pour compter. Zut. Bien joué de sa part. On n'a pas de commis, ça c'est compliqué. On n'a pas de commis. Ah, il vient là. Très bien. Si je capture, il peut faire Atari. Si je complète, il peut venir là. Si je viens là, il vient ici. Et je suis mort. Donc là, je suis obligé d'aller ici. Il capture. Bien joué de sa part. Et on a deux yeux, voilà. Mais lui, il capture et il est vivant. Ok. C'est vraiment pas mal de sa part. Bon, il faut réduire un peu ça, mais on va pas pouvoir faire grand-chose. Je compte 55, on va dire. Je crois, hein, je vais vraiment compter rapidement. Hein. J'ai peut-être loupé des zones. Bon, on va dire 60. Et moi... Ouais, j'ai plus assez du coup. Je suis en retard de 10-15. 10 seconds. 1, zut. 2, c'est con. Ouais, je suis en retard du coup là, j'ai... Faire la partie. Va falloir avoir un très bon yossé. Ten seconds. One, two, three, il y a des coups qui sont gros par là. Five, six, seven, pour tout connecter. Eight. Mais ça, j'ai l'impression que c'est très gros aussi. Ouais, ça va être dur. Hein. Il a des grosses NT. En gros coup, on a ça, nous aussi. Mais vraiment, on est en retard maintenant. En fait, je comptais très rapidement, mais ouais, je comptais plus de 10 points. Non, d'avance, là. Je pense pas qu'au Yossé, on rattrape 10 points. S'il joue tous les CNT, ça va. Et en plus, il a le temps pour bien réfléchir à tout ça. Oui. Attention, on va pas me donner trop de points non plus. Là, ça m'en fait. Bon, après, est-ce qu'il avait le choix? Tac. Allez, ça se rattrape. F19. Il choisit le côté. On va venir de ce côté. Est-ce que je risque quelque chose avec B18? Tac, tac. Non, ça a l'air d'aller. Venir par ici. Ok. Là, ça va bien sortir un CNT pour lui. Ici, s'il fait Atari là, on monte là. Il monte.
Ouais, c'est un peu chiant. On va venir par ici. Ok. Et on va venir par ici. Voilà. Ensuite, on disait quoi qu'on avait de gros. C'est bien ça, on a pu récupérer, ça on a récupéré, on a eu ce centé. Ici, bon, c'est Mimi, on va dire. Ça, ça semble très gros, hein, quand même. Comment est-ce qu'on joue ça? Si on joue ça, on va dire sur tous ces espaces, on a combien de points? E-force, E-force. 0 points sur tout ça. Si on fait ça... Bon, ça peut pas être pire que 0, de toute façon. Je vais essayer de pas perdre une période. Si va là, on pourrait aller... Ouais, je pense que ça va être 0, de toute manière. Il vient ici, très bien. Ça me force à venir là, faire la connexion bambou. Allez, on est un petit peu rattrapé. J'ai pas le temps de compter. Ah, je peux essayer. J'ai 55. Et lui? Qu'est-ce que c'est que ce coup? 55 et lui. Ouais, ça va, il pourra me retirer un coup, un pont en jouant à R3. Ten seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Je sais pas. 1, 2, 3, 4, 5. Je compte 54. Ah bah non. Plus 8. Ok, je suis en retard. J'ai rattrapé, mais je suis toujours en retard. Il a 7 points d'avance. Il a 7 points d'avance. Ouais, et là ça se rattrape pas. Hein. Non, je vois pas où je rattrape ça. Bon, j'ai eu un bon yossé, mais ça suffit pas. Dommage. Dommage, dommage. 10 seconds. 1, 2, 3. Hop. S'il se met à prendre ses CNT. Oui, oui, oui. Il vient ici, on joue là. Ah, l'erreur qui nous fait perdre la partie ici. Hein. C'est dommage. R3, on connecte. On va la finir, hein, forcément, hein, mais... Ouais, on perd de 7, 6,5 ou 7,5, je pense. Si j'ai bien tout compté. Ah, je me compte plus que tout à l'heure. Je sais pas, j'essaie de compter très rapidement, mais j'ai pas beaucoup de temps. Allez, on répond un peu à tout, hein, mais bon. Il a pas mal de CNT, c'est normal.
Bon, je me compte 60. Je pense qu'il me manque encore 3-4 points. Je me compte 60. De toute manière, il me reste ça 10 et seconds. finalement, 1, 2, pas grand-chose 3, d'autre. 4, 5, 6. Ouais, peut-être qu'il est en avance de 1,5. Ah merde. 1,5, ça fait chier. 10 seconds. 1, 2, 3, 4, Ouais, mais il reste 5, aucun coup. 6, Il reste 7, rien d'incroyable. Bon, 8. on va peut-être pas perdre le temps, mais je crois qu'il restait rien de toute façon, mais c'était plus rapide de cliquer là que d'aller surpasser. Non, y a rien. Y a plus aucun point. Oula! 0,5 peut-être? Fais attention quand même, c'est super serré. Surtout que toi t'as le temps de compter. Ouais, ça va se jouer à 0,5. Oh là là. Le drame. 10 seconds. 1, 2, Je vérifie bientôt. Hein. 3, Parce que 4, zéro cinq, bon. On 5. va jouer ça. Non, y a rien. Y a rien, y a rien. Et peut-être qu'il faut que je rajoute un coup ici en plus. Noir, blanc, noir, blanc. Noir. Blanc, noir. 10 seconds. Non, 1, ça va. 2, 3, 4, 5. Ah, 0,5 peut-être, hein. Ou 1,5, quoi. Zut. Zut, zut, zut. Ah, putain, il compte ses points. C'est pas très poli, ça. Ouais, 0,5. C'est con. C'est con, c'est con. Bon, deux pierres, c'est bien du coup. Deux pierres, c'est bien. Ah, c'est dommage, hein. L'erreur, vraiment, et on s'est battu pour la rattraper. On avait une dizaine de points de retard. Un peu plus. Ah, c'est chier. Bon, bah, merci pour la partie. Et merci à vous d'avoir visionné jusqu'ici. N'hésitez pas, ouais, à aimer, à vous abonner, tout ça, tout ça. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.